Mesdames, messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salva. Tout le monde et bienvenue à l'émission Dieu merci. Oh, qu'on a de l'ambiance ce soir. Vous êtes en feu, là, vous autres, hein? Et je vous comprends parce qu'encore une fois, ce soir, quatre personnalités ont accepté de venir jouer avec nous sans même savoir ce qui les attend. Et aujourd'hui, nos quatre invités téméraires sont Véronique Cloutier, André Robitaille, Laurent Paquin et François-Étienne Paré. Ça promet ce soir, parce que là, depuis qu'ils sont arrivés ici, là, vous vous entendez comme larron en foire. Mm-hmm. Vous avez du fun. N'oubliez pas que c'est une compétition féroce. Hein? Ah, oui. Ah oui, oui, c'est sûr. On saillit, le sens-tu? C'est effrayant. Oui. Non, non, mais il y a quelqu'un qui va ressortir gagnant ce soir ou gagnante. C'est vrai. Il y a Laurent qui m'a dit que souvent, les gens là, qui faisaient beaucoup de télé depuis très, très longtemps, je l'ai, puis il n'y avait pas un mot qui sortait. Mm-hmm. Ça m'a rassuré. J'espère que vous avez pris quand même un peu soin de la seule fille ce soir de l'équipe. Ouais. Soin, tu dis? Regardez les cheveux, c'est moi qui ai fait ça. Là, tu sais que ton chum, Louis Morissette, est venu ici. Et je ne dois pas te mettre de pression, mais il a été très bon. Et ce sera gênant si tu revenais ce soir en lui disant... Oui, ben oui, parce que tout le monde sait que tu sais, on a une compétition. Oui. C'est la guerre, même, oui. Je dirais. C'est la guerre. Ben oui, ça nous fera un nouveau front de ben cette oui. jour. Alors, si vous aviez le choix ce soir, là... Je m'en irais. Moi, je serais une brosse de glace. Non, c'était pas ça ma question. Ah. Si vous aviez le choix, mettons, du personnage à jouer, quel genre de personnage vous aimeriez jouer, François-Étienne? Monsieur Patate. Ah, je pensais que c'était Laurent, ça. C'est Monsieur Patate pilé. Laurent, as-tu un personnage en particulier que tu aimerais jouer? Non. Aucun. Je fais pas beaucoup de personnages dans la vie, à part un castor, là, j'en veux pas. Les personnages, là. André, toi, tu t'attends à quoi? Je sais pas. Je suis prêt à tout, pour vrai. Prêt à tout. Okay. Je suis même prêt à jouer eux autres, si tu veux. Oui. J'ai une perruque pareille à ça en arrière. Véro, quel genre de personnage t'aimerais jouer? Tant qu'à faire, là, si t'avais le choix. Une prostituée, Éric! J'ai trouvé ma réponse. Oui? Un client. Bon! Alors, est-ce que vous autres, vous êtes prêts? Bon, ben, je vous invite à retourner en coulisses, à enfiler vos costumes. Oui. Et bonne soirée! Oui. Merci! Et pour choisir lequel de ces quatre invités repartira avec notre fameux trophée, Dieu merci, notre juge, l'honorable Gaston Lepage! Bonsoir, Gaston. Bonsoir. Comment vas-tu? Formidable, formidable. Et je pense qu'on va passer une soirée magnifique. Tu vas remettre le trophée Dieu merci ce soir? Tu sais que c'est un trophée qui est très couru par tous nos invités, hein? Parce que c'est une petite rencontre amicale, une petite compétition, tu en as parlé tantôt. Il m'incombe aussi de déterminer la fin des improvisations. Et ça, ça se fait à l'aide d'un petit bouton rouge que vous voyez ici à mes côtés et à l'aide d'un effet sonore abasourdissant. Ah oui? Que voici. Oh. Merci beaucoup, Gaston. Mon premier invité, il est le remplaçant officiel de France Beaudoin quand elle ne peut pas animer son talk show. Et comme France n'était pas disponible pour être ici ce soir, on accueille André Robitaille! Bon. Bon.
Oui. Tu es habillé comme Gaston Lepage quand oui. tu vas en pêche. Hein? C'est un hommage à Gaston qu'on prépare, j'imagine. Ou bien, je sais pas, c'est quoi, chasse, pêche ou mime dans un centre d'achat. C'est Au choix. Tout est possible. Oui. Comment tu t'es préparé, André, pour ce sketch-là? J'ai pris mon auto, je suis parti de chez moi, je suis venu jusqu'ici. Parce que, non mais, dans ma niaiserie, il y a quelque chose de sensé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop se préparer pour le show. On ne sait rien, mais c'est vrai qu'on ne sait rien. Alors, je viens de voir ce costume-là, ça fait quelques secondes et je suis prêt à n'importe quoi. Je te souhaite bonne chance, c'est de ce côté-là. T'es capable, t'es capable. C'est parti, là? C'est parti, là. Ah, Dieu merci, t'es là. Oui. Tous tes élèves sont arrivés. OK, salut tout le monde. Tu peux prendre place. Excusez mon retard, hein? J'étais pris dans l'embouteillage. Chers amis, je vous présente notre dresseur invité qui nous arrive tout droit de Val-d'Or, M. Denis Larivière. Ouais, c'est plaisir, cool. Un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Comme vous le savez tous, Denis est un maître chien de renommée mondiale. Il est l'auteur du livre qui est devenu la référence dans l'art de dresser les chiens. Dont le titre est « Donne la patte ». Ouais. Avant de passer à la portion pratique du cours, Denis, tu pourrais peut-être nous expliquer brièvement ta philosophie sur le dressage des chiens. Il y a un maître, il y a un chien. Faut juste commencer par différencier c'est qui, OK? Et plusieurs maîtres chiens se contentent de dire à leurs bêtes « Assis, reste, rapporte. » Fais le mort des fois quand ils sont un peu fous, là. Des fois. Mais toi, tu vas encore plus loin que ça. Oui. Qu'est-ce que tu leur demandes, par exemple? Comment ça va? es-tu content d'être un chien? Des fois, c'est étonnant, les réponses. Ou est-ce que t'es allergique à moi? Parce qu'on leur demande jamais ça. Hein? C'est vrai. Il faut être proche du chien, comprenez-vous? Mm. Ça faut que ça devienne votre meilleur ami. Hein? Mais, Denis, pourquoi tu utilises un bâton à électrochoc pour les faire obéir? Tu te trompes. Ce n'est pas pour le chien. Alors, oui? Denis, tu as une opinion assez particulière sur les chiens qu'on dit « bâtards ». Oui. Peux-tu nous en parler? Avec plaisir. Tu peux me... Ah, tu veux que je t'en parle maintenant? Oui. Les chiens bâtards, à mon avis, on les sous-estime. Ils ont quand même une personnalité, à la limite, deux. Hein? Et c'est des chiens que, dont on doit prendre soin parce qu'ils peuvent haïr en bâtard. Bon, ben Denis, c'est tout pour mes questions. Est-ce que vous, vous en avez? Oui. Oui, notre chien nous vole souvent de la nourriture sur la table de la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'en empêcher? Lève ta table. C'est simple, hein, dresser un chien, c'est simple. Faut juste changer nos habitudes de temps en temps. Merci. Oui, monsieur. Moi, mon chien passe son temps à lécher ses parties intimes quand il y a des invités à la maison. Et t'es jaloux. Oui, je comprends ça. Mais avec un peu de pratique, on peut y arriver. Mais... Je comprends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fasse? Ça veut dire qu'il faudrait que tu lui donnes un bol d'eau à un moment donné. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est ta façon unique de communiquer avec les chiens, avec des aboiements, des grognements. Oui. Pour notre plus grand plaisir, fais-nous une démonstration avec le linois schnauzer. Le linois schnauzer, c'est pas évident, hein? Parce qu'il y a le linois portugais que je connais bien, mais... Le linois schnauzer est spécial. Je le cherche, là. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous lui avez dit? Moi aussi. Allô? Rappelle-moi. Laisse-moi un message. Envoie-moi un courriel. On va aller dans le parc. On a fait de même. Denis, excuse-moi. Oui? Est-ce que tu pourrais lui glisser un petit mot sur son problème d'auto-nettoyage? Oui, c'est vrai, c'est ton chien qui cirque du soleil, genre. Là. Oui. Il s'appelle Limousine. Limousine? Ouais. Oui, mon Dieu. Il stretch, en plus, hein? OK. Regarde Denis. Non, non, excuse-moi, c'est pas ton tour. Tu vois, double face. Il avait l'air gentil, méchant un peu. Hein? Regarde Denis, là. Regarde Denis, là. Regarde Denis, là. Non.
Excuse-moi. Peux-tu le tourner, s'il te plaît? On va se déconcentrer. OK. Merci. OK. Garde Denis. Limousine. Limo. Garde Denis. On peut l'appeler Limo. Oui. Ah, on y a de la dépense. Merci, Denis! Ça va marcher. Merci. On va maintenant terminer le cours en beauté avec une belle surprise. Ah, Denis va faire danser son propre chien, Rocky! Oh. Ah, c'est Rocky, ça! Mesdames et messieurs, André Robitaille! Bravo! Désolé pour la danse, on ne l'avait pas pratiquée. Mais avec toi, ça marcherait. Ben absolument. André, on va aller voir ce que Gaston a pensé de ta performance. Ah, il parle, Gaston? Plus que tes chiens. Non, moi, ce que je remarque de ce que tu as fait, c'est ta grande disponibilité. Tu es rentré là-dedans, était extrêmement ouvert, extrêmement disponible. Et la petite chose que j'ai remarquée, qui était un petit peu spéciale, t'as pas refusé un accessoire, tu l'as transformé. Je parle du manche électrique là, pour les chiens. Oui. Oui, et j'ajouterais à ça que c'est la première fois que je french un chien. Alors, bravo pour cette disponibilité-là, c'est ça que je retiens maintenant. Puis évidemment, l'intelligence, la rapidité d'esprit, tu tombes là-dedans, t'es comme chez vous. Bravo. Bien, merci, Gaston, merci. Voilà. André, bravo. Merci. Ne bougez pas, on revient tout de suite après ceci. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité a un bac en art dramatique, sauf qu'il l'a eu à l'UQAM, fait que ça compte pas. Mais c'est un excellent comédien. Voici François-Étienne Paré. Oh! Ah ben ouais. Avec ce que tu portes, ça doit te mettre dans un état assez sérieux à l'intérieur, là. Oui, ça dépend à quoi j'ai étudié, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Tu t'imagines bachelier de quelque chose? Docteur, je dirais. Ah, t'es docteur? Ben oui, j'ai une belle petite fourrure. Ah, puis ça veut dire que t'es docteur, ça? Je pense. Ou vétérinaire, puis c'est un restant de lapin. Ouais, c'est des restants du gars. C'est des restants de l'eau de kitsch. François-Étienne? Oui? J'aimerais ça que tu dises aux gens qui nous regardent que tu ne sais absolument rien de ce qui t'attend de l'autre côté. Je ne sais absolument rien de ce qui m'attend de l'autre côté. Tu n'as jamais vu le décor. Je n'ai jamais vu le décor. Tu n'as aucun texte. Je n'ai aucun texte. Tu es prêt à traverser la porte. Je suis prêt à traverser la porte. François-Étienne, bonne chance. On est avec toi. Merci beaucoup. Dieu merci, vous êtes là. Prêt à commencer? Oui! Suivez-moi. Alors, bienvenue à tous nos étudiants ainsi qu'à leurs parents. Nous espérons qu'à la fin de cette soirée d'information, vous serez aussi enthousiastes que nous à propos des nouveaux projets du Collège Hector Le Tendre. Ouais! Pour débuter, notre bien-aimé directeur, M. Bigras... Hé, hey, Bigras! Hé! Hey! C'est qui? C'est moi! M. Bigras, donc, va réciter la prière du collège. Oui! Viens-moi! Au nom du Père! Allons! Les élèves, les parents, professeurs, amis, amie, amies, Dieu, parmi nous, est heureux, car ses enfants
Les vôtres! Les nôtres! Les leurs! Où est donc Carnior? John and Mary are going to school! Kick the ball, Sandy! All right, Tom! Dieu! Heureux donc! Souris! Amen! Amen! Merci à vous, monsieur le directeur. Vous savez tous, n'est-ce pas, que le collège Hector Le Tendre a une philosophie très simple qui est résumée dans sa devise. Oui. Si vous voulez bien lire la devise, monsieur le directeur. Oui, credo quina absurdum. Et pour les gens qui ne sont pas familiers avec le latin, vous voulez bien la traduire? La crête qui absorbe. La crête qui absorbe est une philosophie simple qui est inspirée par nos trois valeurs de base qui sont représentées par autant de symboles. Que représente le premier symbole? Oui, ça c'est quand tu as envie, demande à tes parents de t'emmener à la toilette. Le deuxième symbole? Oui, 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 soyons pugilistes, la vie est dure. Et le dernier, et non le moindre? Ah, soyons fifons! En tenant compte de ces trois valeurs, nous cherchons de nouvelles façons d'améliorer la qualité des services offerts au collège. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous dévoiler notre nouveau projet. Et voilà! Ce qu'on voit ici, ce sont des cornes qui représentent le diable. Parce que le mal est en nous autant que le bien, il faut le combattre! Parce que sinon, il va rester là, puis on va faire... Il me semble que c'est clair. Oui, c'est très clair. Il y aura dans ce nouveau complexe, bien sûr, un laboratoire à la fine pointe des techniques modernes. Et ce sera une première au Québec pour un collège de niveau secondaire, puisqu'on y retrouvera quoi? Et voilà, un atelier de boucherie où les élèves pourront eux-mêmes découper leur dîner à la cafétéria. Merveilleux. Je sais que plusieurs parents se posent la question, comment le collège pourra-t-il financer la construction d'un tel complexe? Mais la réponse est fort simple. Oui! La mafia, mesdames et messieurs! Bravo! François-Étienne Paré! Merci. Bravo! Merci. Est-ce que tu penses que maintenant que le sketch est arrêté, ils vont sourire à un moment donné? Je sais pas. On sait pas. Allez-y, ben allez-y. Ah ouais, ah, on y arrive, bravo. On y arrive. François-Étienne, bravo. On va aller voir ce que notre juge Gaston Lepage a pensé de ta performance. Ben écoute, c'est un directeur d'école assez avant-gardiste. Oui. J'admire la facilité avec laquelle tu détournes tout. En fait, tu es un challenge actuellement pour notre équipe maison. Parce que tu les emmènes dans des coins absolument insoupçonnés. Heureusement, ils s'en sortent très bien et réussissent à te suivre dans tes élucubrations. Bravo pour cette improvisation. Merci beaucoup. Folle à souhait. Merci beaucoup! Bravo! François-Étienne. François-Étienne, un peu plus tôt aujourd'hui, on t'a envoyé avec les trois autres artistes invités jouer les agents immobiliers. Oui. On va regarder ce que ça a donné, si tu veux bien. Bonjour, 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 bonjour. Comme ça, ça va acheter une maison? Oui. Merci de m'accueillir chez vous. Oui. Ah! Pourquoi est-ce qu'il y a un champ d'épuration, là, juste ici? Pour la marde. Alors voilà, petit garde-robe, de type walk-in, hein, qu'on appelle, ce que vous voyez. Ouf, on peut rentrer à l'intérieur. Oui, ça vient avec la maison puis le costume, parce que les autres, leur enfant est décédé. Alors, ils laissent
Ça, c'est une table basse, en fait. C'est une table japonaise pour les sushis? Ou... Oui, exactement. Exactement. Puis à l'occasion, pour les soirées coquines, vous pouvez remplacer ça par votre femme à quatre pattes. C'est important de mettre du piquant, surtout si vous voulez des enfants, parce que moi, mon mari, après, est fini. Un bel escalier pour faire des belles descentes cinématographiques, hein? Descendre comme ça. Tu es ma star de soir, tu es ma vedette à moi. Essayez, donne, regarde, regardez, on est entre nous, on est juste tous les trois. Oui. Voyez-vous oui. quelqu'un d'autre ici? Non. Est-ce qu'il y a des gens ici, quelque part, qui nous observent? OK. Allez-y, allez-y. Je fais pas ça à tous les clients, hein? Non, non, non. La douche est vitrée? Ça, c'est le fun aussi. Si jamais à trois, ça vous tente, ben il y a de la place en masse. Et habituellement, on est tous nus, mais là, on n'y va pas jusqu'à là. Allez-y. Allez-y. Parfait. Ah, j'ai oublié de fermer. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. C'est fou. Ça, c'est de la belle chambre pour enfants. Éventuellement, ça va être là-dedans. Oui. Alors, pour l'instant, c'est là, puis là. Ah oui? Ah, et ça fait... Et ça se ramasse ici. Ah! Là, ça, cette pièce-là. Oui. Ah, voilà. Ah! Alors, ben... Ben oui. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... comment je dirais ça? Bar à salade. Si vous n'aimez pas les plants de tomates et tout ça, on peut les faire éliminer ou ça se mange en muffin aussi. C'est délicieux. Merci. Merci. Je ramasse mon pote. Cool. C'est le fun, je trouve ça excitant, là, ça me met dans l'ambiance, mais je sais pas dans quelle ambiance. Ma prochaine invitée est blonde, riche, célèbre, et elle fait très souvent la une des magazines. Et non, ce n'est pas Paris Hilton, mais bien Véronique Cloutier! Juste ici. Bonsoir. C'est assez cool. Tu sembles, je sais pas, là, comme un peu mal en point. Oui, là, légèrement, légèrement. Mais c'est ce que j'ai remarqué, là, tout le monde doit dire ça quand ils viennent ici, mais quand on met le costume, on a tout de suite une attitude qui vient avec. Je sais pas du tout si c'est la bonne attitude pour ce qui se passe de l'autre côté de la porte. C'est quoi l'attitude, là? Ben, c'est comme, tu sais, yeah! OK, comme rock. Tu sais, comme je signe, mais ça me dérange pas. OK. Est-ce que tu as hâte d'ouvrir la porte? Moyennement. Ben écoute, ça tombe bien parce que tu n'ouvriras pas la porte. Non, je vais traverser le mur du son. Suis-moi. Oui. Ah non, par où qu'on s'en va? Es-tu prête? Là, vraiment, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein? Mais tantôt, je suis passée et il n'y avait pas de décor, donc je comprends pas pourquoi. Non. Je t'amène par ici, Véro. OK. C'est par là que tu vas faire ton entrée. Par dans où? Le par sketch. Là? Attention. Alors, hein? Véro, est-ce que tu es prête? Ai-je le choix? Je te le demande. Bonne chance. On est avec toi. C'est parti. Tu as... Rentre là-dedans. Ah, oh, OK. Là, je comprends. Je comprends des choses. Yeah! Dieu merci! Dieu merci, vous êtes vivante! Vous aussi! Voulez-vous qu'on vous appelle une ambulance? Non, non! Rock and roll, c'était correct! Wouh! Je m'excuse, hein? Ah, c'est... Parce que mon épouse et moi, on était en train d'écouter la télévision, là. On a entendu un espèce de crissement de pneus. Après ça, un gros boom! Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas si c'est ça qui jouait à TV, mais... Je m'entraîne pour que feriez-vous pour 100 piastres? Mais c'est parce que... Yeah! Double yeah! T'sais, avec ça, je vais gagner, là. C'est sûr. Notre mur de briques, il est solide, hein? Pourtant, à quelle vitesse vous rouliez, donc? Ah, je sais pas. Peut-être 180, 190. Mais ce que je comprends pas, c'est que notre appartement est situé au deuxième étage. Et c'est justement là, ma petite madame, le défi.
Je t'ai ramassé une chaîne de trottoir. Ça a revolé par là. Hey, je m'excuse encore, mais de toute façon, ça avait besoin de réno ici un peu. Hein? Mais il me semble que j'ai entendu une deuxième voiture. Coursiez-vous avec quelqu'un? Oh! Oui. Oui, 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 oui. Mais je pense que c'est moi qui ai gagné. Pourriez-vous vous tourner, s'il vous plaît? Ah, ben oui, c'est ça, hein? C'est écrit « Course illégale de super bolide, championne 2006 ». Je voulais faire enlever « illégal », mais j'ai comme pas eu le temps. Très étonnant que vous ayez pas blessé personne d'autre. Étiez-vous seul dans votre auto? Oui. Woo-hoo! Yeah! Yeah! Hey, c'était le fun, on s'est lâché loose! Yeah, bébé! Qu'est-ce qu'on avait dit que tu sortais pas du show? Oups! Hey, mais t'as perdu ça! Ah! Je leur donne à ma tante Giseline. Oui? Une vignette d'handicapé. C'est pas vous qui avez un handicap? Non. Hé, hey, inquiétez-vous pas, c'est une conductrice expérimentée. Pas parce qu'elle a perdu son permis de conduire qu'on va capoter. Pourquoi vous avez perdu votre permis de conduire? Ben là... Allô? Expliquez-moi comment est-ce qu'on va faire pour sortir cet auto-là de notre salon! En poussant? Deux, trois petites poussées, là. C'est réglé? Salut, Linda! 210 km/h dans une zone résidentielle. Veux-tu bien me dire pourquoi t'es allée si vite, là? Yeah! Merci beaucoup, hein? Merci. Ça passe vraiment. Ça passe super vite. Comment tu t'es trouvée? Ben écoute, je suis très à l'aise, là. Je continuerai. Hein? Ben... je sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais c'était vraiment super le fun. J'ai décidé de... Je sais pas, j'ai essayé quelque chose, tu sais. Ben... On est très insécure à ce moment-ci de... Du sketch, là, ouais, quand c'est fini. Là, absolument. Je veux dire, parce qu'on se sent comme vraiment jugé, là. Ben c'est justement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qui arrive. Et le meilleur juge, c'est Gaston Lepage. C'est lui qui va parler de ta performance. Oui. Gaston. Écoute, de tous nos invités d'aujourd'hui, tu es celle qui a le moins d'expérience en improvisation. Définitivement. Mais cependant, je pense que par le métier que tu pratiques le plus, c'est-à-dire celui d'animatrice, t'es habilité à improviser. Et ça paraît là. T'es capable de sortir de n'importe quelle situation, de n'importe quelle conversation. Moi, j'ai été impressionné par ça, par toute la place que t'as occupée dans ce sketch-là. Des réponses, des questions. Vous en voulez des réponses, j'en ai en masse. Bravo. Bravo, Véronique. Merci. Bravo, Véronique. Très impressionnant. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous autres. C'est super le fun. Merci encore une fois. On fait une petite pause et on revient. Restez là. Ça va aller bien comme ça. Dieu merci. Dieu merci. Mon prochain invité dit que pour lui, l'improvisation est une drogue très puissante. Alors c'est avec plaisir que je me transforme en pusher pour lui fournir sa dose. Mesdames et messieurs, accueillez Laurent Paquin! Bonsoir! Bonsoir! Ah, écoute, ben là, il y a un dessin. Je sais pas si c'est représentatif de quelque chose. Ils m'ont laissé venir avec mon linge, finalement. J'ai pas de costume. Alors, Laurent, c'est vrai que pour toi, l'improvisation, là, ça te donne un rush d'adrénaline. Oui, c'est une des seules choses qui m'énerve encore. Ah, pour vrai? À part certaines infos pubs, mais à part de ça. Et qu'est-ce que t'as pensé quand on t'a mis ton costume? J'ai dit, soit un pim, ou soit, en tout cas, un gars pas fiable, mettons. Je me passerai pas mes clés d'auto, mettons. Non, c'est vrai que ça peut avoir l'air de ça. Ah, il me semble. Ben c'est ce qu'on va savoir. Oui. Laurent. C'est de ce bord-là? C'est de ce côté-là. On te souhaite bonne chance. Oui, merci. C'est vrai. Je vais là. Dieu merci. T'es là? Oui, je suis là. Écoute, les médias ont répondu en grand nombre à notre invitation. Je vois qu'ils sont très nombreux, effectivement. Très nombreux.
Mesdames, messieurs, Sylvain Larouche. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ici. Oui, merci. Alors, Sylvain Larouche a très peu de temps à sa disposition, donc on vous demanderait d'être bref dans vos questions. Et court, surtout. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de visionner votre film avant de vous rencontrer. Tout ce qu'on en sait, c'est une comédie musicale, thriller, nouveau genre. Pouvez-vous nous résumer l'histoire, s'il vous plaît? Excusez-moi, je viens de voir l'affiche comme vous. Oui, ben c'est un thriller. Mais un thriller qui vient nous chercher vraiment dans les tripes. Il y a certaines longueurs, mais on les aime. Et vous incarnez un personnage qui souffre de nymphomanie chronique. Oui. Quel genre de recherche vous avez fait pour vous préparer à jouer votre rôle? Ben, je me suis tenu longtemps avec Michel Barrette. Et je suis content que vous abordiez la question de la nymphomanie parce qu'il ne faudrait pas penser que c'est de la pornographie gratuite. Aujourd'hui, il y a des histoires, on va beaucoup plus en profondeur, et là, je fais vraiment pas un mauvais jeu de mots. Je parle vraiment de la psychologie du personnage. Vous l'avez dit vous-même, il est nymphomane, donc c'est un trait de caractère qui n'est pas banal du tout, ça. Il n'y a rien de gratuit. On baisse beaucoup, mais c'est jamais gratuit. Pour les besoins du film, vous avez pris un accent pour incarner votre personnage. Pouvez-vous nous en donner un aperçu avec des répliques tirées du film? Ah oui, évidemment. Ben, non, j'allais dire, vous l'avez vu, mais non, vous ne l'avez pas vu. Ah, mon Dieu, ben, il y a cette scène où une jeune fille vient pour avoir un emploi, et voilà, et je lui dis, ben, ma chère, entrez et asseyez-vous. Et là, la musique part. Et on fait l'amour sauvagement, mais vous l'avez remarqué, il y a une situation, il y a un scénario, il y a une idée. C'est pas de la pornographie gratuite. Elle a quand même eu le temps de s'asseoir. Elle venait pour une entrevue, pour un emploi. C'est une critique du monde du travail. Il y a une scène du film qui a été tournée dans le Grand Nord. Est-ce que c'était des conditions difficiles? C'était très difficile de maintenir une longueur appréciable. Ça a été... On avait besoin de calorifères, sauf qu'on faisait fondre les glaciers. Et oui, ça a été très, très difficile. Oui, absolument. Sylvain Larouche, permettez-moi de vous demander, quel est le film qui vous a le plus nui dans votre carrière? Ben probablement celui-là. Une dernière question? Oui. Ouais, ben, il faut vraiment que je parte, là. Oui, OK, très bien. Ben, ce sera pas très long. On a appris que vous avez écrit et interprété la chanson thème du film. Histoire de nous mettre l'eau à la bouche, pouvez-vous a cappella nous la chanter? L'aventurier, aucune femme ne lui résiste. Oh oui, oui. J'espérais que vous me le demandiez. Ah oui. Parce que y a aussi une bande sonore qui est extraordinaire et on pense faire beaucoup d'argent avec cette bande sonore-là. Donc, la chanson thème du film? Oui, oui, oui. Ah oui, c'était... ça. L'aventurier, aucune femme ne lui résiste. Et là c'est la partie de la femme qui chante. Et elle dit « Oh, toi, aventurier, non, je ne résiste pas! Oh! » Laurent Paquin! Bravo! Merci beaucoup! Ah! Oh! Ben, j'étais pas loin avec mon PIM. Non, attends. Là, t'étais dedans, là. Ben, j'étais dedans, oui, si tu veux. Oui, c'est une façon de s'exprimer. Oui, ouais, mais on fait des doubles sens des fois, on s'en rend même absolument compte. Là, alors là, Laurent, si tu veux bien, on va aller voir ce que Gaston oui a pensé de ta performance. Et non pas du film. T'es un grand improvisateur. Je pense que t'en as fait pas mal à la Ligue nationale d'impro et ailleurs. Hein. Et oui. Ça paraît, t'es capable de sortir de n'importe quelle situation, toi aussi, évidemment, et d'accepter l'inacceptable. Bravo. Et à la prochaine improvisation, j'espère que tu vas revenir. Ah, bien merci, ça va être avec plaisir. Merci, Laurent. Merci, Éric. Et tu ne bouges pas. Non, non, non. Tu te prépares, parce qu'après la pause, nos quatre invités dans le même sketch, c'est le vrai défi de groupe, tout de suite après ceci. Ça va bien aller.
regarder l'émission Dieu merci. Et nous sommes aussi diffusés en simultané sur Internet. Vous pouvez aller voir ça, c'est sur tva.canoë.ca. Une émission de Dieu merci ne serait pas complète si on n'accueillait pas nos invités pour une dernière fois pour jouer au défi de groupe. Rebonsoir. Ah, mon Dieu, mais que se passe-t-il? On ne sait pas, nous. On ne sait pas, on ne sait rien, c'est toi qui sais tout. Vous êtes deux. Les deux autres sont présentement à l'extérieur de nos studios. OK. OK. Vous êtes prêts? Oui, 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 oui. Oh, il oh, y a du budget. Oui. Là, ça vous déstabilise pas trop, toujours? Non. Vous êtes prêts? Oui. On vous souhaite bonne chance. C'est le défi de groupe. Ça se passe de ce côté-là. André, non, c'est bon? Vas-y, mon homme. Oh, excuse-moi. Dieu merci, vous êtes là. Ben oui. On ben vient oui. de la pause dans 10 secondes. Bon. Si vous voulez prendre votre place. Oui, oui, tout à fait. Merci. Ça va bien, Michel? Oui, oui, excuse-moi pour le retard, hein? Info matin avec toute l'équipe et puis plusieurs choses très intéressantes à découvrir pendant l'heure. Plusieurs choses intéressantes. D'ailleurs, on aura un invité très spécial pendant l'heure. Tu peux nous en parler, Henri-Paul? Oui, ben, merci, Sylvain. Alors, oui, un invité tout spécial qu'on a très hâte de voir puisqu'on l'a invité dernièrement. À cause de quel événement, Sylvain? À cause d'un événement très spécial. Mais ça, c'est le personnage qu'on recevra demain. Je parlais plutôt du docteur Richard qui viendra nous parler d'un traitement très spécial contre l'acné. Tellement spécial. Tu nous en parles un peu. Il nous en a parlé tout à l'heure en maquillage. Oh, c'est beaucoup plus évolué que le pétage de boutons. Oui. Ah non, quand même. Une fois qu'il l'a pété, il revient plus. C'est ce qu'il nous dit à ce moment-là. Et ça éclabousse pas dans le miroir, évidemment. Alors, oh, je suis désolé. Mais on va aller au bout de cette histoire-là. Vous savez que nous, on va toujours au bout de ces histoires-là. Absolument. Donc, les résultats du sondage Info Matin dans quelques instants pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Henri-Paul, tu nous rappelles la question du jour? La question du jour aujourd'hui, voulez-vous, voulez-vous pas? Vous êtes nombreux habituellement à répondre. On est très, très contents de vous avoir comme téléspectateur. Une qualité de téléspectateur qu'on apprécie depuis des années. Merci, Henri-Paul. Et puis, on passe tout de suite aux manchettes avec Karine et Michel. Merci, Jean-Marie. Michel va nous dire ce qui retient notre attention ce matin en commentant les quelques images qui vont suivre. Oui, tout à fait. Oh là là, le premier ministre du Québec, Jean Charest, et Michou ont pris une marche. Et là, la guerre a pogné. La guerre éclate, un homme roule sur la guerre. Faisant fi de tout, un manifestant ici crie des vacheries aux policiers. Allez chier, policiers, allez chier, policiers. Un chat, comme ça, s'agrippe à une brique. Eh oui, il est sauvé, bravo. Son maître, qui était mal coiffé, était tout de même heureux. Tous les détails dans quelques instants. Mais avant, rendons-nous aux États-Unis où avait lieu la finale d'un important tournoi de golf aujourd'hui. Et Natacha, vous y étiez? Natacha, c'est à vous. Ah! Mais effectivement, j'étais sur place ici, là, ici. Dites-moi, Natacha, comment le Québécois Jonathan Talbot s'en est-il tiré? Ah! Jonathan! Il est fou! On a pris une brosse hier, on a tellement eu de plaisir. Ce matin, pour frapper, il était un petit peu magané, mais que de plaisir et d'agrément hier soir! Il y a eu une controverse au deuxième trou. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la balle n'a pas rentré dans le trou. Mais à la fin, c'est encore une fois Tiger Woods qui a été le plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a soulevé la coupe au bout de ses bras? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a... soulevé la coupe au bout de ses bras? Oui! Il a dit, hé, c'est faisant! Merci beaucoup à vous deux. Une fin très excitante. Et là-dessus, on s'en va rejoindre de Roger, qui va nous parler de la météo. Alors, Roger, où est-ce que tu es en ce moment, Roger? Eh bien, présentement, je suis sur le bord des pentes au Mont-Sainte-Anne. Et laissez-moi vous dire qu'ici, ça descend. Parlez-en à Stéphane Dion. On sait, Roger, que c'est l'ouverture de la saison de ski. Quelles activités ont lieu aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est beaucoup de descentes, mais autant de remontées que de descentes. Logiquement, il y a toujours une descente de plus qu'une remontée, parce que si tu remontes, bien là, ça implique qu'il faut que tu fasses une autre descente.
On sait qu'il y a une grosse, grosse fête au chalet de la montagne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on célèbre au juste? Eh bien, c'est tout simplement la fête des flocons. Alors, tout le monde se déguise en flocons, on monte sur le toit du chalet et on se pitche en bas. Ah, je vois que t'as de la compagnie autour de toi. De qui s'agit-il? Eh bien, c'est mon escorte. Parce que vous savez, cruiser quand on fait la météo, c'est vraiment pas winner. Alors, parfois, faut payer. Justement, parlons météo. Quel temps fera-t-il au-dessus de nos têtes aujourd'hui, Roger? Au-dessus de vos têtes, je ne sais pas, vous êtes en studio. Alors voilà, c'était 22 à 19, les Canadiens qui ont perdu contre les Rangers. On voit ici que la Gaspésie est beaucoup plus à l'est que la Montérégie. Ça, c'est indéniable. Et le Labrador, ben, il est plus à nous autres, alors j'en parlerai pas. Ben merci beaucoup, Roger. On se reparle demain matin. Ben j'espère bien. Ben moi aussi. Et là-dessus, c'est tout pour Info Matin. Et on ne se quittera pas sans le mot du jour, évidemment, de Henri Paul, l'inénarrable Henri Paul. Vas-y. À demain. Par ici, par ici. Allez retrouver vos collègues. Nos invités de ce soir, Véronique Cloutier, François-Étienne Paré, Laura Paquin et André Robitaille. Bravo! Oh, bravo à vous autres. Et là, la tâche difficile de ce soir revient à Gaston Lepage, parce que c'est lui qui va déterminer qui va repartir avec le célèbre trophée. Dieu merci. Oui. Écoute, jusqu'à la dernière seconde, j'ai jonglé dans ma tête. Je savais pas vraiment vers qui aboutir, parce que j'ai remarqué la performance de chacun, évidemment. Ce directeur d'école absolument débridé, ce fou qui est supposé savoir quoi faire avec les chiens, alors qu'il est comme un chien fou lui-même. et tout le monde. Et finalement, eh bien, c'est Laurent. Laurent Paquin, récipiendaire ce soir du... Ah, ça vient avec des fleurs. Ah, merci. J'aimerais saluer ma mère, merci. Félicitations. Alors, un mot, Laurent, en tant que grand gagnant de ce soir? Ben, je pense que j'ai de loin clenché tout le monde. Merci. Hey, merci beaucoup à vous autres. Merci, nos comédiens et comédiennes maison. Et évidemment, nous autres, on est de retour la semaine prochaine. Gaston, merci beaucoup. Et Dieu merci, on est de retour jeudi prochain, 21h. Salut tout le monde. J'espère que ma mère va pas prendre tout ça au sérieux. Elle va penser que je suis un être ignoble, que je veux vraiment droguer les enfants, les saouler, les rendre dépendants au jeu. C'est pas vrai. Quel décor extraordinaire, l'auto, hein? C'était une stupide bonne idée. Ah, c'est fort. Swing, okay. Swing, comme ça. Ah, encore, monsieur Robitaille. D'accord. Vous étiez mon idole dans Vasimolo. Ta gueule. J'ai pas hâte de voir mon costume. Non? Non. C'est pas ça, ton costume? Je sais même vous avez un invité qui cancelle à la dernière minute, là, parce qu'il y a de la chienne. Appelez-moi. 3, 2, 1, bye-bye.